Bonjour à tous et à toutes, je suis Ranus et aujourd'hui la suite de Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations, le premier procès de la troisième affaire. Dans cette affaire justement, Maggie Loiseau est accusée d'avoir empoisonné une personne dans un restaurant chic. Elle dit qu'il y avait deux personnes, la victime et quelqu'un d'autre, sauf que personne n'a vu cette deuxième personne. Elle a donc été accusée d'office. Cependant, une autre chose est extrêmement bizarre. Phoenix Wright aurait perdu un procès il y a un mois, alors qu'il y a un mois, Phoenix était dans son bureau en train d'attendre une affaire. Donc cela fait deux mystères à résoudre. Nous allons d'abord nous pencher sur le cas de Maggie Loiseau, en commençant tout de suite le procès. Toujours sponsorisé par Godot et le café. C'est long, ça fait un mois que j'ai pas joué, j'ai pas revu ce que j'ai enregistré il y a un mois. Je crois que j'ai tout oublié. Évidemment, ça doit être la première fois en un mois que le juge me revoit. Je crois que oui. Je suis pas ton pote, mec. J'ai eu la constitution deux fois. C'est vrai que c'est vrai que dans le jeu, en fait, on s'en fout de toutes les affaires. C'est qui est caché sous le masque de Gold? Ne promettez-moi étant détective. Dommage, c'était l'inverse. C'est parti pour le premier interrogatoire. Pas maintenant, résumé des faits. Thank you.
il y avait le cuisto, le cuisto et le vieux. Voilà. Je ne dirai rien sur ce cuisto. Ça a l'air très facile, mais je dirai rien. Deuxième café, je crois. Ah oui, déjà ? Deux secondes, calme-toi. Allons-y. L'incident. Il parle en connaissance de cause. Mais j'ai rien fait, c'était pas moi. J'étais au cinéma. J'étais au cinéma, monsieur le juge. J'ai un témoin, j'ai un ticket. Alors non, parce qu'il semblerait qu'il s'était doux. Oh, une objection déjà. Que faire? Insister toujours parce qu'on ne sait jamais. Qui est déjà allé. Ça veut dire qu'il est dégueu. Un billet. Ah ah. Bon, au moins j'ai une photo. L'entrée de la cuisine. Oui, ça se tient. Caché derrière le paravent, je sais pas, ça me semble plausible en fait. Bon, je prends toujours on ne sait jamais. Mais qui écoutait-il à la radio? Qu'est-ce que je fais? Je continue. Ça c'était ma chaise par contre. C'est la séquence avec Maël durer au moins 5 secondes parce que je vais fermer ma porte. Tasse de prison dans le café. Café délicieux. N'abusez pas de café les enfants. C'est pas mal, c'est mal. Ça veut dire que c'était peut-être du tequila. Bah écoute, voilà. Ah bah c'est cool, très bien. Que faire? Il faut quand même insister dessus, on sait jamais. C'était du café? Est-ce que c'était de l'arabica, du Maxwell? Objection!
À moins que c'était du café soluble. Du café. Ah, il reste une preuve, j'en étais sûr. Cette preuve. Comment ils se foutent la gueule de Kudo? Ouais. C'est la tasse du café. Waouh. C'est tout. Question, combien y a-t-il de litres de café dans ce mug que Godo a bu? Alors, ça a l'air tout à fait débile, mais je vais mettre une hypothèse. S'il a bien bu, la tâche ici nous dit... Et lance de la tasse, ça veut dire que l'accusé était droitier. On ne sait jamais, ça peut être super important pour c'est pour la fin, une contradiction fourbe. C'est fourbe, attends, ce petit truc. D'accord. Continuons, on accumule des preuves et ça c'est cool. Du cyanure de potassium. C'est un poison. C'est mortel, évidemment. Zéro de camp. Je ne sais pas si c'est vrai. S'il y a des légistes ou des tueurs dans le plus... Parmi vous, dites-le. C'est dégueulasse. De la cire. Ouais. Exactement. Alors ça peut être intéressant. C'est très intéressant même. Mobile. Quel mobile? De quoi je parle? Objection. Pas compris. Effectivement. Allez, dis-moi ce que c'est. C'est tout. Oui, je sais ça. Tu m'en prends un nouveau billet. Il a gagné 10 euros, c'est cool. On insiste. Jusque là, j'ai récupéré des preuves. Ah, cool. Précise bien l'une des policières, ça prouve que la police fait son travail. Comme il faut. D'accord, c'est pas cool. Merci beaucoup. Tout tombe à l'eau. Tout. Pour l'instant, j'ai des preuves. C'est normal.
Ah bah vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Est-ce que c'est du sang, s'il vous plaît? La poche. Et... D'accord. Allons-y, accumulons les preuves. Trop, trop bien. Godo, change de masque. Par un... Ah, c'est moins grave du coup. Est-ce que quelqu'un a réussi à avaler une bouteille de ketchup au moins? Sans être malade. Ah, il y a une suite, il y a une suite, il y a une suite. Dis-moi tout. Dis-moi tout, détective. Dis-moi les choses. Oui. Ah, d'ailleurs. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. En fait, j'ai pas eu le temps de... Voilà. Alors, mort par indigestion de cyanure, entraîneur en train, ok. Le plan du Bellissima, très bien. C'est quoi ça? Ça c'est une photo de crime, ça c'est la tasse de café. Ah non, non, pense de maquiller la victime, d'accord, ça c'est le billet, la tâche. Ah non, 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 mais de grosses tâches, non, non, non. Et il y a du café dessus, très bien, ok, c'est bon. Ça par contre c'est étrange. Excuse-moi, détective, il y a un petit problème dans ce que tu dis. Je vais t'impressionner. Allons-y. Alors. Alors, pas ça. Pas ça. Ça. Wow. Wow. C'est vrai que ça ne va pas en fait. Comment tu as fait? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, très très bien.
Tiens, c'est intéressant cela. C'est très très intéressant. Bah écoute. Ça colle pas. Il y a un truc qui colle pas, non. Objection! Très légère contradiction en fait. Moi je pense qu'il manque quelque chose. Voilà, c'est ça. C'était un coup de chance. Voilà. C'est incroyable. Ouais, j'y ai pensé aussi à un moment. Enfin, j'y pense. Godot, je pense que j'ai une réponse. Je sais pas, dis un truc. Non, compris. La drogue. Une seconde, il y a un truc qui veut pas. Son oreille gauche. Ça se tient. Réfléchir. Prends le médecin là. Non, c'est pas ça. Photo de victime. Son oreille gauche. Je vais quand même insister sur Médoc. Ah. Une autopsie. Insignifiante. Eh ben dis donc que si, peut-être. Ah ah, tu chauffes. Il y a du suspense. Il y a eu le drama. Godot, tu surchauffes. Ah, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Kudo. Spécial dédicace détective Conan. J'ai gagné un peu de temps, ce qui est pas mal. Attends, elle a déjà eu 11? Quoi? Quoi? Hein? Hein? Comment t'as fait? Tu m'expliques? En une heure?
On se passe une heure. Putain, ça revient. Une tasse toutes les 5 minutes, c'est chaud. Mais calme-toi, mais calme-toi, mais calme-toi, mais bordel de nom. Ah, j'aime bien cette petite musique, c'est cool. Ne t'en fais pas, je sais qu'est-ce qu'il faut pour lui parler. Je sais qu'est-ce qu'il faut. La France, le langage, tout cela. Donc, deuxième round. Le vieux Vénard. Vénard, comment se fait-ce? Pourquoi ce vieux grinche? C'est très musique. Comment on pourrait dire? Militaire, voilà. Waouh, pauvre gars. Moi, il ne ment pas. Pourquoi tu bouffes des graines en fait? Ah bon? Comment ça, ah bon? Allez, impressionne-moi. Mais comment tu t'en souviens très aussi bien? Je connaissais pas. Non, quel discours. Allons-y. Ça va être trop bien. Alors. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de quotidien sportif déjà. Ouais. Dis-le-moi, il faut insister, il faut insister. Elle peut te faire avoir.
la poudre. C'est de quelle couleur le ciel, la poudre du seigneur? Ok. Il a... Non, ça se tient pas. Sérieux? Oh, je veux ça. Oh, je veux ça. Je veux Phoenix Wright en tenue de serveuse. Oh, c'est magique. C'est débile. Alors. Ah. Je crois que sur cette affaire, il va falloir insister beaucoup. Et un ruban dans les cheveux. Et la lanière de son tablier était desserrée. Ruban dans les cheveux, ça se tient. Est-ce que son tablier était desserré? J'ai un doute là-dessus. Rouge, pas mal. Sans lunettes. Mon compte. Eh oui. Eh oui, Jamy. Objection. Ah, excuse-moi, ça se tient. Ah, c'est... Ouais, enfin, là, techniquement, c'est moyen, tu m'excuses. Dommage, dommage, c'était beau, c'était pas mal. Objection. Dommage, c'était pas mal. Ah, c'était facile, très facile. Non mais c'était facile, là, oui, c'était très simple. Dommage. Tellement dommage. Tellement dommage. Ah, c'est dommage. Ton témoignage ne tient pas la route. Non, 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 non. Et sale. Et celui qui a porté la deuxième, mais ça, on s'en fout. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu l'as dit. Voilà. Bon, alors vraiment, dis-moi. Oui, tu l'as oublié comment? Voilà. Dommage. Quel dommage.
t'as vu? Tu sais, je commence à devenir un vrai pro, Godo, hein. Faut pas croire. Alors. Oui. Ouais, enfin. Allez, vas-y. Deuxième essai. Impressionne-moi, s'il te plaît. Je vais être impressionnant. Alors, la victime. Où ça se tient? Est-ce que vous vous souvenez quand je vous disais que l'anse de la tasse était importante? Vous voyez, c'est ce petit truc fourbe là. Kudo, je crois que tu mens un petit peu. Non mais je vous l'avais dit, hein, que l'anse, le côté de l'anse, tu vois. Donc, il va falloir que j'interroge sur quelques trucs avant. Mais je le tiens. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ah, ce procès pouvait être super intéressant, mais non. Mais non, c'est du caca. Alors, par contre, je prends mon temps. Actuellement, je suis en train de nettoyer au cure-dent ma manette de 3-6. C'est super intéressant, ma vie. Voilà, on va y aller. Alors, c'était encore un de ces jeunes blancs avec blablabla. Il tenait un journal dans ma main droite. Attaquons pour qu'il... pour qu'il soit sûr. Non, c'est pas ça qu'on veut, right. On s'en fout de ta vie. Oh, rien, laisse tomber. Je te juge si je veux. Après le café, c'est les graines. Donc, ça, ok. Non, dis-la moi, il faut que tu la dises. Dis-la. C'est une connotation sexuelle, ça, Godo. Bah, la contradiction est toute trouvée. Non mais... la contradiction est toute trouvée, il vient de l'avouer. Blablabla. Voilà, alors. Tu es en train de me dire qu'il tenait la tasse de la main gauche. Ce à quoi je dis objection. C'est dommage. Non, elle a encore quelques petites défaillances. Ah, me tente pas. Me tente surtout pas. Maintenant, regarde cette tasse. Regarde la tasse. Oui. Voilà, là tu l'as. Pour l'instant, c'est clair. En fait, si on considère l'anse du côté droit, ça veut dire qu'il tenait à droite. C'est plus ça que je voulais dire. Bah si, enfin, parce que à moins que tu apprennes de la main gauche et que tu tords ton poignet à 90 degrés, bah, c'est chaud du... c'est le temps d'axe. Fais le pigeon. Allez, mange les graines et fais le pigeon. Après.
Breakdown. Allez. Non, il continue. Non. Ou alors... Non. Godot, sérieux? Tu tiens ton témoin en fait. Oh, allez. Très bien, je vais devoir t'en foutre une. Main gauche. Est-ce que ça existe en vrai? À mon tour, bien. À mon tour maintenant. Oh, intéressant cela. Ça m'arrive des fois. Ça m'arrive aussi des fois. De quoi tu veux en venir où en fait? Mais arrête putain. Bon. Montage des trucs. Objection. Allez. Applaudissez-moi. Je le savais, j'avais retenu qu'il s'était foutu son truc, son sa crème sur l'oreille gauche. Donc s'il l'a trituré, c'est parce que c'était pas pour l'oreillette, c'était pour appliquer la crème, sans doute. Voilà, aussi, hein, voilà. Qu'est-ce que tu fais? What? Mais quoi? Ah bah là, irréfutablement, on ne peut rien faire de ce témoin. Godot, quelque chose à dire? Rien du tout. Très bien. Oui, le café au lait, c'est dégueulasse.
t'as vu? Et moi je suis ton sucre. Oui. Non, c'est faux. Godo, s'il te plaît. S'il te plaît, Godo, n'avons pas d'épreuve. Voilà, en plus, Godo, dernière tasse de café, Godo. Attention, ne la gâche pas. Tu viens de niquer ton café. Et oui. Ah, tu auras recraché ta 17ème tasse de café. Oui, on arrive à la fin de l'audience, ce qui va me permettre de conclure cet épisode. Enfin. Ah, t'as vu. Oh, attention. Yay. Ah. C'était le twist. Et c'est Kudo qui le fait. Bah... tu vas retourner à tes pigeons, hein? Pas du tout, en fait. Alors, presque. Enfin, je sais pas. Oh, un twist scénaristique de l'affaire. Non. Non, 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 mais c'était deux fois, mec. Non, c'est foutu. Quoique, je te demanderai ça, mais hors du procès. Parce que... ok, tu veux la jouer là, ok, ok. Bon, et ben dans 2 minutes, je vais prendre 2 minutes pour vous convaincre que c'est un putain d'Alzheimer. Non, mais ça va, attends, vous en faites pas, ça va aller vite, hein. Bla 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 bla. Bla bla bla, tasse de café, bla bla bla, nique ta mère, au revoir. Bon, on regarde le vase. Ah bah ça alors. Il est debout. Mais comment se fait-ce? Oh là là, mais pourquoi? Oh là là, mais... ah mais c'est chiant. Qu'est-ce qu'il y a? Encore? Non mais, trois fois, merde.
qu'on jette cet homme. Je demande à ce qu'on vire cet homme. Et votre table était où? Cette affirmation chamboule l'affaire à un point incroyable. Virez cet homme. Oui. Voyons voir, tu m'as apporté aucune preuve, dégage. Ah, quoi encore? Oh, merci. Non, je t'écoute pas, je t'écouterai un autre jour. Dans le prochain épisode, peut-être. Non, tu crois? Voilà. J'ai pas gagné. Oui, monsieur. Qu'est-il ? Oh. Je le prends quand même. Je le prends quand même. M'a déjà fait une déclaration comme ça, c'était cool. Je suis désolé. S'en fout. Wouh! Sans se lever. À suivre! Putain, direct cliffhanger. C'était trop bien. Premier procès, moyen, je trouve. Même si sur la fin, c'était un peu plus facile. C'était, je pense que le truc avec la pochette qui était vide, c'était un peu fourbe quand même. Du coup, ça partait un peu dur. Puis au bout d'un moment, ça a descendu dans la difficulté. Ça a un peu descendu. Je sais pas si je dois être déçu ou pas, mais bon. Le procès est terminé et puis on sait quelques trucs. Là, des preuves, c'est important les preuves. Bien. Sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas qu'on a tout ce qui est le commentaire, like, abonnement, partage, etc. 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 De me suivre sur Twitter, @Zayus1, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou bien de regarder les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne pour voir les contenus que je propose. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine.